Cyril est à la recherche d'une grosse grise, mais Christian connaît quelques bons spots pour le brochet. Et Cyril ne sait pas dire non à une petite pêche de brochet. Alors, qui fait la marche du chien? Je pense que je vous en ai déjà parlé, c'est le mouvement. Donc ça fait tac, 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 tac dans l'eau. Il faut lui donner ce mouvement-là, puis le poser, faire des pauses, marquer des pauses, des temps d'arrêt. Tac, 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 temps d'arrêt. Tac, 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 temps d'arrêt. Et en général, au moment de l'arrêt, c'est là qu'ils attaquent. Oh, il y en a un qui arrive. Oh, il est reparti. Il y a des beaux brochets ici, hein? Ouais. Oh, il y en a... Tiens, regarde! Regarde! Oh, ouais! Je ramenais le leurre et blam! Il a attaqué juste au niveau du bateau. Ah, ouais! Pas mal, en plus, pour une attaque de surface. Quand est-ce qu'il fraye le brochet? Normalement, il fraye au printemps. Surtout les grosses femelles, ils arrivent à la fonte des glaces, ils viennent sur les endroits peu profonds pour pondre. Dans les embouchures des petits ruisseaux, hein? Exactement, ouais. Il y a un pike juste là-devant. On les voit, ils sont arrivés. Viens, on va essayer. Ça y est, il y va. Regardez comme c'est cool, ça. La pêche à vue. Ils sont en surface, ils prennent des bains de soleil. Faut juste lancer devant eux et blam, ils attaquent. Un petit brochet au leurre de surface. Non, maintenant, vous savez pourquoi son nom latin, c'est Esox Lucius. En latin, ça veut dire loup d'eau. C'est vraiment un loup, un prédateur très agressif. Juste là. Entre les deux rochers, il y en a un. Jump! Here we go. Il arrive, il arrive, il arrive. Ça, c'est de l'attaque de fou. Et encore un. Here we go. Récupérez mon leurre. Oh, il est beau celui-là. Il va attaquer. Il va attaquer. C'est trop bon ce genre de pêche. Tu ramènes ça. Tu vois la torpille arriver derrière la vague. Tu l'arrêtes un peu. La vague, elle suit. Et blam! Il l'attaque. Une touche de brochet, ça fait toujours du bien.